Fouteuse. Mamie Kongos est là. Mamie Kongos don't come again. En français facile, non? Abonnez-vous à la nouvelle page créative. Oh, Colo, les gars, abonnez-vous pour ne rien rater de tout le Japap du monde mondial. Ha! Voici notre Stéphane Dia de 37 ans qui vient de s'engager avec Châteauroux, 16e de nationale française. Le club Casseroussin, qui est un game et comme un taxi qui vient de faire un tour à la station, a réussi à faire signer un job pour 6 mois plus une année supplémentaire en option notre Stéphane Dia Chou. Maman, celui-ci non, il n'a même pas signé un job. C'est Ulrich Barens Pokam de 18 ans qui vient de s'engager avec Lille. Oh. Le gars était pour moi Sims de Bafoussam. L'attaquant camerounais avait terminé meilleur joueur du dernier tournoi de Limbe. Oh. Bon, jeune champion. Lionel Ateba, par contre, auteur de 7 buts ce début de saison. Pas de Dynamo de Douala pour l'USM Alger. Où il vient de signer pour 2 ans. Coucou. Allez, le Lyon. Oh. Didier Lamkelze a signé à Metz, son énième club, et a directement mis un but. Oh, coulou. Bravo, bon. Un seul mot. Continue. Maman, les gars, voici le Congo, ça. Celui qui a dit qu'il ne devait plus jamais prononcer le nom de Mabushino vient d'être prêté par Marseille à Dunkerque, dernier de la Ligue 2 française. Ha. Bref, je ferme moi ma bouche. Marius Nubisi a résilié son contrat avec Valenciennes comme un gars mature. Oh. L'attaquant camerounais de 27 ans arrive à Valenciennes en 2022 et décide de résilier son contrat d'un commun accord avec son désormais ex-club. Du courage, je peux pas. Du courage aussi à Jairzinho Niamsi qui quitte Strasbourg et signe un contrat de 3 ans et demi avec le Lokomotiv Moscou, club de première ligue russe. Le froid là non bon, si tu ne supportes pas, bip-moi seulement, il vient te réchauffer. Tiens, ha. Lui non, il n'aura même pas de problème de froid. Oh, c'est Maxime Tchindatacho qui quitte Bambutos FC de Bouda pour El Ngouna en première division égyptienne. Lui par contre, il aura les problèmes de foie graves seulement. Ha. C'est Jean-Éric Moussou de 19 ans qui part de Coton Sport de Garoua pour Valenciennes en Ligue 2 française. Ha. Voilà, parce que tu as tes langues au Congo. Ha. Union Sportive de Douala perd son milieu de terrain Alexandre Fred Kouyaté qui a rejoint le cercle sportif Don Bosco de Lumumbashi. Papa, tu me gardes un CD dédicacé de Fally Poupé. Je vais offrir ça à ma ponceuse Lady Ponce pour son anniversaire. Elle dit ça et ne dit rien. Démissionnaire, oui. Que je suis fou. Après avoir remis sa démission à l'Union Sportive de Douala en fin de saison dernière, oui, sachez qu'on peut aussi démissionner du continent. Démissionner comment? Mais vous êtes marqués, vous êtes... Le coach Oumarou Sogba retrouve les banques de touche à Yaoundé 2 en Elite 2. Oh, il va essayer de maintenir Yafout en Elite 2. Courage le père. Celui-ci, il n'a même pas démissionné. C'est son club qui vient de Ndem. Shanghai Shenhua annonce le départ de Christian Bassongo. Papa, ha. Tu pars, oui. Attaquant camerounais de 28 ans est désormais libre de signer où il le souhaite. Oh. Du courage, le milliardaire chinois. Un bon joueur, non? Il ne manque jamais d'équipe. Vous riez même quoi, eh? Ha. N'est-ce pas, voici Nathan Douala qui vient de trouver un club en Arabie Saoudite sans avoir joué un match à la CAN. Ha. La CAN même où il est rentré, il a directement farouté un maillot à son président de Victoria et les dos à ses coéquipiers. Ha. En passant, moi aussi je farote. Je farote mes abonnés. Je farote ceux qui like et partagent. Ils commentent sur la nouvelle page créative. Désormais, tout le Japap c'est ici, donc abonnez-vous à la nouvelle page créative. Ha. Continuons d'abord le soccer. Maman, je tourne sinon. Beji Sajike, la blessure de Vincent Boubaka est bien plus grave que celle du staff médical des Lions Indomptables. Ha. Et qui doit continuer de se faire soigner. Oh. Le climatiseur de Blida arrête sa carrière internationale. Oukoulo. Tokoshu, je te fais d'abord autant de bisous que tes buts. Et qui est Gando? On dit que Gando Piquet a reçu une aide financière de l'influenceur ivoirien Klinkan Soso pour l'achat de son billet d'avion. Ha! Maman, on dit aussi que à sa descente d'avion, no, Gando Piquet a été interpellé et entendu par la police. Et qui est? On dit aussi que mon ex Eto dit qu'il va démissionner et qu'on a seulement supplié que non, mon fils ne part pas. Et comme c'est un gars qui est très obéissant, il n'a pas lui démissionné. Oh. Et Gobes, on n'a pas de diplôme d'entraîneur. N'est-ce pas, c'est le même qui avait dit que Song est le promotionnaire de Zidane. Gobes, on a fait une très bonne école. Il est promotionnaire de Zinedine Zidane à Clairefontaine. Affaire à suivre. En attendant, hein, abonnez-vous d'abord à la nouvelle page créative. Pendant que moi, je pas cherché les sacs de soccer parce que la semaine prochaine, non. Je reviens avec le Congo, ça en soc. Bye bye, yo. D'ici là, likez, commentez, je vous dis, tout le soccer, c'est ici.